Alors, le séminaire de microbiologie de Strasbourg a pris naissance en 2011 hein, à l'initiative de trois professeurs, donc du professeur Marie-Claire Lettes, Jean-Luc Soussier et Hermano Candolfi. Donc, l'objectif du séminaire, c'est de réunir la communauté scientifique, donc les jeunes chercheurs principalement, doctorants, post-doctorants, mais aussi des étudiants de master qui vont découvrir la diversité de la recherche scientifique sur le secteur. Également, on a tout le partenariat industriel qui vient partager avec nous nos recherches et puis nous faire bénéficier aussi de leurs connaissances via des exposés. Alors, la particularité du séminaire de microbiologie, c'est de réunir des chercheurs qui d'habitude ne se rencontrent pas dans des congrès, puisque chacun a une discipline, donc bactériologie, mycologie, virologie ou encore parasitologie. Donc là, l'idée, c'est de réunir ces chercheurs-là sur une journée localement pour échanger, donc à la fois sur leur domaine scientifique, mais aussi on peut échanger sur des plateformes techniques ou scientifiques. Alors, le séminaire est important pour les étudiants parce que d'une part, pour les étudiants de master, ça leur donne une ouverture sur tous les champs disciplinaires et la richesse de la recherche à l'université. Deuxièmement, quand ils sont en doctorant, ça leur donne la possibilité de présenter leurs travaux. Et donc, ils ont la possibilité de le faire soit en français, soit en anglais, ce qui est un exercice pas toujours facile quand on va dans des grands congrès. Donc ça leur permet de pratiquer un petit peu sur une petite communauté.